Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mathieu. Aujourd'hui nouvelle vidéo, aujourd'hui petite vidéo spéciale. Non pas spéciale, en fait elle est pas si spéciale que ça, on va faire encore de la trotte comme d'habitude. Bref, passons, en tout cas aujourd'hui nous allons faire de la trotte. Alors, je vais vous mettre quelques parties de ce qu'on a fait hier. Parce qu'hier oui, on est allé au skatepark de Blagnac pour faire quelques petites figures. Sauf qu'on a eu la flemme de faire la trotte. Donc je la fais maintenant et ensuite on se retrouve au skatepark de Cornebarieux pour faire quelques petits tricks. Antoine va peut-être venir, je ne sais point, je ne sais pas quel temps il fait réellement. Mais en tout cas il a l'air de faire... Il fait moyen, on peut le dire. Mais bon, ça va être quand même cool. Je voulais vous faire un petit message parce que je voudrais faire une petite pub pour l'atelier de menuiserie. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Allez tous vous abonner en masse. S'il vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir et ça lui ferait extrêmement plaisir. Je vous mets sa chaîne en description et à la fin de la vidéo, il y aura une petite bulle où il y aura sa petite tête. Allez, c'est parti, on se retrouve au skatepark tout à l'heure. Bonne vidéo. Enfin, putain, enfin. Ok les gars, on arrive au skatepark, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc aujourd'hui petite session, on va s'amuser, on va faire des petits tricks, on va pas s'emmerder non plus. On va essayer de faire quelques petits tricks, on va essayer de s'améliorer. C'est parti, on va faire une petite session tranquille, génial. C'est parti. Avant que ça commence, je sais pas si vous avez vu, mais sur mon Insta, j'ai mis une vidéo où je suis tombé actuellement ici, là, ici, je suis actuellement tombé. Je me suis fait mal en essayant de faire un slide to whip. Atterrissant en slide quoi, sauf que mon pied s'est pris à la fin. Bon bref, je vais vous laisser regarder la vidéo. Donc je vous dis, j'ai eu très peur depuis cet accident on va dire. Bon, j'ai presque rien eu, heureusement j'ai pas eu de séquelles, j'ai pas eu de problème au niveau du cerveau, de la tête, et j'ai juste un peu, je me suis juste un peu raflé au niveau du bras, mais c'est pas très très grave ça. Mais voilà, donc je vais vous montrer la vidéo, mais ça fait vraiment très très peur. Donc je vous dis, moi je mets pas de casque, mais pour ceux qui peuvent mettre des casques, mettez des casques vraiment. Donc pour tous ceux qui peuvent mettre des casques, mettez des casques, c'est très important. Donc voilà, en tout cas moi j'ai pas mis de casque parce que pour moi j'en ai pas besoin. Même si j'ai failli me blesser très très grave, j'aurais pu avoir des séquelles. Mais bon, je vous dis, protégez-vous, faites attention à vous. About the fucking flex.